appel à des demandes de formation très importante. Et c'est pour ce quartier particulièrement fondamental de remettre de l'emploi industriel. Ça fait le quatuor logement, commerce, emploi tertiaire et emploi industriel. C'est comme ça que cette ville va être agréable à vivre en réinjectant cet emploi industriel qui a fait qui a donné cette dimension à Bordeaux historique. C'était basé au chantier Laval. Avec une typologie de travaux, c'est livré dans 6 mois. Là, ils ont fait le quai, là, ça y est, ils l'ont rénové. Là, ils vont dévégétaliser la forme, parce qu'elle est en état, la forme. La nouvelle porte bateau est en place, ils vont sortir la vieille. La porte bateau de la... De la forme de radeau, de la cale sèche. Et à partir de... Et il y en a une seule qui va fonctionner. Pour celle-ci, elle fonctionnera après, plus tard, mais dans un premier temps. Et celle-là, voilà, celle-là est opérationnelle dans 6 mois. Voilà. Bien, nous venons de terminer une journée très dense donc de visite d'Alain Vidali sur la première circonscription de la Gironde. Après avoir évoqué la question des mobilités à Bruges autour du tram-train, nous sommes venus ici sur le site des bassins à flots parler des projets de refit en compagnie de mon ami Philippe Dort, donc conseiller régional, conseiller général, avec tout ce projet d'avenir, d'emploi, de construction navale et de retour de l'emploi industriel au cœur de la ville. Oui, il était important que le ministre vienne ici au bassin à flots, grâce à Sandrine qui a fait un travail formidable pour organiser cette visite. C'est à elle que nous devons. Après la visite d'Alain Rousset au mois de janvier, qui a permis d'inscrire au contrat de plan 2 millions d'euros qui vont se transformer en 10 millions avec les autres partenaires qui mettront la main à la poche. Nous avons par là même permis d'oxygéner ce projet en le finançant et en faisant en sorte que déjà au mois de janvier ou février 2016, les premiers bateaux vont pouvoir arriver dans cette forme de radoub, ce qui va développer l'industrie des bassins à flots au niveau de l'emploi naval. Et nous avons aussi travaillé avec le secteur de l'aéronautique et notamment avec l'école Aérocampus qui forme des spécialistes de l'aéronautique mais qui sont en fait les mêmes métiers que les métiers de l'industrie navale. Que l'on soit un soudeur spécial, que l'on soit un spécialiste de l'électronique embarquée, que l'on soit un spécialiste des matériaux composites, c'est les mêmes métiers pour le naval que pour l'aéronautique. Donc ici nous sommes devant le cœur d'un grand projet de développement productif pour Bordeaux qui ne peut être qu'en complément avec l'habitat nouveau qui arrive, le tertiaire, le commerce de proximité qui malheureusement n'est pas suffisamment installé ici à Bordeaux et demain l'emploi productif. Nous aurons là vraiment, et grâce à l'action que nous menons avec Sandrine, un projet de ville agréable à vivre. C'est ça, un projet de vie de ville. Et c'est pour cela qu'on se bat aussi fort pour y arriver.